En effet, un arbre qui pousse dans le jardin d'une très vieille maison, une antique maison de la banlieue de Shenyang. Alors pour situer, Shenyang est une ville chinoise dans le nord-est du pays, donc avec un climat assez rude, avec un hiver qui dure 6 mois, qui était autrefois le poumon industriel de la Chine, et même le poumon industriel, pourrait-on dire, de toute cette partie de l'Asie. Donc beaucoup d'usines, d'entrepôts, mais le monde change, ces usines, les unes après les autres, vont fermer, les ouvriers vont être au chômage, et finalement le seul point fixe du paysage pour la famille qui vit là, c'est l'arbre dans leur jardin, qui constitue un repère dans leurs existences. C'est un arbre qui a un lien très particulier à cette famille, la famille Zhang, puisqu'ils ont observé que lorsqu'un enfant naît au sein de la famille, l'arbre, de la même façon, pousse un rejeton, un nouveau rameau. Lorsque quelqu'un meurt, l'arbre dépérit. Bref, la famille et l'arbre vivent dans une sorte de symbiose. Une famille qui est constituée d'un homme dans la quarantaine, Wei, qui a un passé d'ouvrier. Il a travaillé pendant longtemps dans une usine métallurgique et il se trouve aujourd'hui au chômage. Et pour subvenir aux besoins des siens, il a une obsession, c'est de collecter du charbon. Donc en fait, il passe ses journées, été comme hiver, à grappiller des galets de charbon noir un peu partout, de façon à pouvoir passer la mauvaise saison. Il a une épouse, Yun, c'est un couple qui est très uni. Ils ont une fille adolescente. Et enfin, il y a les parents de Yun qui vivent sous le même toit. Donc c'est une petite famille à l'échelle de la Chine, mais c'est malgré tout une famille très solidaire, qui vit plus ou moins bien, qui vit d'expédients. Mais tant que le poêle est rouge, tant que le charbon chauffe, tout va bien. Alors cette histoire a une origine bien particulière. Il se trouve que au moment où j'ai documenté le livre, où j'ai réuni un certain nombre d'ouvrages et également de documents internet qui me permettaient de restituer ce quotidien de façon la plus véridique possible, j'ai vu en particulier beaucoup de documentaires de cinéastes chinois. Et un documentaire fleuve, pourrait-on dire, puisqu'il occupe 3 DVD, il dure 9 heures, qui s'appelle « À l'ouest des rails », qui se déroule à Shenyang et qui a beaucoup de points communs avec mon récit. Ce n'est pas une famille, mais ce sont des ouvriers ou d'anciens ouvriers qui vivent à la petite semaine, qui eux aussi cherchent à grappiller du charbon et dont l'obsession est de se chauffer dans une ville où tout paraît à l'arrêt puisque ce sont des usines mortes et des entrepôts désaffectés. Donc lorsque j'ai vu ce documentaire, j'ai été véritablement saisi par à la fois la densité du propos et le bon équilibre entre certaines longueurs, parce que je vous l'ai dit, 9 heures, donc c'est un documentaire, il faut parfois être patient dans certaines scènes, et en même temps, l'énergie de nœuds narratifs qui se présentent de temps à autre. Il y a des scènes qui sont vraiment poignantes, il y a des personnages qu'on n'oublie pas, et je pense que c'est la vision de ce documentaire qui m'a véritablement incité à le développer d'une façon différente, avec une autre histoire, avec d'autres protagonistes, dans mon roman. C'est vrai que j'ai publié un certain nombre de livres jusqu'à présent, c'est maintenant mon 22e qui sort en librairie, beaucoup de romans aussi, mais plus ça va, plus ces romans prennent tournure de contes, de fables, c'est presque malgré moi. Je m'aperçois que la littérature à laquelle je suis attaché, c'est une littérature de l'imaginaire, et les histoires qui me parlent, c'est des histoires qui à la fois nous entraînent ailleurs et puis s'enracinent dans un passé très lointain et très profond. Et ce roman, Discours d'un arbre sur la fragilité des hommes, est vraiment à l'image de cette évolution. C'est-à-dire, c'est à la fois, pourrait-on dire, une fable écologique, dans la mesure où l'arbre joue un rôle central, où il est maître des destins des gens qui l'entourent. À la fois, il paraît très fragile, toujours agonisant, toujours menacé par les hivers, et en même temps, il est là au début de l'histoire, il est encore là à la fin, et on sent qu'il va perdurer. Donc c'est une fable écologique, mais c'est aussi un conte, et c'est même plusieurs contes qui sont enchâssés dans la même structure narrative et qui se répondent entre eux. J'ai choisi de découper mon livre comme ça, plutôt que des chapitres qui s'ordonneraient dans un fil simplement chronologique. Ce sont plutôt des contes qui tantôt nous ramènent vers le passé, tantôt nous projettent dans un proche futur, tantôt parlent du présent, et qui
et c'est finalement à la rencontre de ces différentes projections, de ces différentes perspectives que l'histoire émerge. Mais de cette façon-là, un peu, non pas allusive, mais délicate. Voilà, je dirais délicate. Donc, c'est un mode d'écriture, je m'aperçois, qui me convient véritablement. Et, comme tous les contes, comme beaucoup de fables, il y a une morale, ou en tout cas un enseignement éthique qu'on pourrait tirer du livre. Et ce roman n'y fait pas exception. Il y a un discours sur la modernité, en particulier la modernité extrêmement violente, brutale et même cannibale, pourrait-on dire, de la Chine, puisque la Chine d'aujourd'hui, ce sont des riches potentats qui dévorent économiquement, mais socialement, de toutes les façons possibles, le peuple. Et le roman illustre cette violence de la Chine contemporaine, où il y a des grands propriétaires, propriétaires de biens, propriétaires de terres, propriétaires d'industries, et invisibles à leurs yeux, toute une foule, soit d'anciens paysans, soit d'ouvriers qui vivent à la périphérie des métropoles et qui naturellement ont des conditions de vie beaucoup plus difficiles. Et j'ai choisi de situer mon récit, comme souvent, mes romans sont des histoires de petites gens, j'ai choisi de situer mon récit dans cette périphérie où des anciens ouvriers se chauffent encore au charbon et mènent finalement une existence qui pouvait être celle des années 1950 ou de l'époque de la Révolution culturelle, qui ne sont ni au rythme, qui ne sont pas fondus dans ce décor moderne. Et c'est la raison pour laquelle tout le récit se construit autour d'une métaphore, d'un terme que je n'ai pas inventé, qui est consacré, qui est celui de la maison clou. Qu'est-ce que c'est qu'une maison clou? C'est une maison dont les propriétaires doivent être expropriés parce qu'ils se situent par exemple sur le chantier d'une autoroute, le chantier d'un gratte-ciel, ou en l'occurrence dans mon roman d'une mine qu'on va creuser. Mais ils entrent en résistance, ils s'opposent à cette expropriation et le chantier se fait sans eux. Donc la maison existe toujours, mais on creuse tout autour et elle finit par être comme un clou planté dans un immense chantier de gratte-ciel ou au milieu de quatre voies d'autoroute. Il y a des photos saisissantes qu'on voit comme ça sur Internet. Donc c'est à la fois le documentaire que j'évoquais tout à l'heure à l'Ouest des Rails et ces images de maison clou qui sont très spectaculaires, qui sont à l'origine de mon texte.